Pour cette deuxième phase qui consacre la cérémonie d'aujourd'hui, 519 femmes, filles ont été formées dans les métiers ci-après. Électricité 153, plomberie 93, peinture aussi 93, froid climatisation 27, coiffure esthétique 120, coupe couture 33. Elles ont reçu chacune des kits d'installation et un fonds de roulement pour leur permettre de démarrer immédiatement leur micro-entreprise. Le budget total de toutes ces opérations s'élève à la somme de 447 millions de francs de nos francs CFA. En cette heureuse circonstance, qui magnifie une fois de plus la jeune fille, permettez-moi à l'entame de mes propos de saluer Madame la Présidente de l'ONG Agir pour son engagement en faveur de l'autonomisation de la femme en général et de la jeune fille en particulier. Qu'il me soit permis également d'exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble des personnalités ici présentes pour leur grande mobilisation pour la cause de la fille et de la femme malienne malgré leurs multiples occupations. Je voudrais remercier l'ONG Agir et ses partenaires à travers le programme à l'apprentissage et à l'autonomisation économique des filles, des enfants, des filles de femmes à Bamako et périphérie. Grâce à ce programme, nous avons eu la chance d'être parmi les premières femmes au Mali et évoluer dans les métiers non traditionnels. Désormais, nous ne sommes plus des charges pour nos familles. Au contraire, nous contribuons au développement de celles-ci.